Mr. Deschamps, I'm Joseph Pulizzi. I want to tell you, Mr. Deschamps, the first time I've ever come to one of these meetings. And I have to be very honest. The democratic process, a lot of that, the democratic process that you guys talk about, it's very questionable. First of all, number one, when you call somebody that you're not allowed to record, sir, I get elected and change it. No, okay. I'm not going to get elected and change it. Mr. Deschamps, why would you say that to a citizen like that? Le mardi, c'est quoi, c'est le STC? Le mardi des élus, c'est le mardi des élus, c'est des rencontres qu'on lit, les citoyens qui viennent nous présenter le dossier. OK, c'est ça. Cette fois-ci, M. Pugliese, sur les déchets toxiques à la salle, question adressée à Mme Barre. Bon matin. Good morning, President Chatillon, members of the Council, citizens of Montreal. If it's possible, I'd like to do this in English, President Chatillon. Go ahead. Thank you very much. First of all, I would like to start off my presentation by giving my condolences to the late Mr. Blackhurst, which is our counselor in LaSalle, who passed away on March 12th, 2013. I would like to take that. Without wasting any more time, President Chatillon, I would like to speak about the actual toxic waste issue in LaSalle. On April 2nd, 2013, I attended the LaSalle Borough Council meeting, where Mayor Barrap had informed me that we do not have toxic waste in LaSalle. She said, Monsieur Pugliese, je ne sais pas de quoi vous parlez, on n'a aucun déchet toxique à LaSalle. If you look at the LaSalle Messenger newspaper for the April 2nd Echo du Conseil d'arrondissement, it clearly states what Madame Barrap said. I would like to table these four articles. Article number one is done in the 3rd of June, 1986. It says, toxic waste, Mayor Leduc sets the facts straight.
I do remember that Manon Barbe, Mayor Barbe, did precede Mayor Leduc in the last elections, and Mayor Leduc did talk about toxic waste being present in LaSalle. In this article, we have article number 2, which is dated the 14th of June, 1987. It says underground storage could get underway in July. All toxic waste on the site, which is also contaminated, will be buried, according to Mayor Leduc. Lavalin Inc. It guarantees that the cell, which covers an area of 1 million square feet, will be safe for 25 years. This was done in 1987. We are now 2013. I believe that the 25 years is either over or right at the line. I'd like to table that. We have another one called Toxic Waste Disposal, Intricate, Costly Operation. This as well was passed on the 9th of August, 1987. These were all in the LaSalle Messenger. Once again, they talk about LaSalle and having toxic wastes and materials in the LaSalle, the old LaSalle Coca-Cola site. And, of course, number 4, which is the 2nd of August, 1987. It says, work has begun on burying of LaSalle's toxic waste. Now, I think with all the proof here, President Chatillon, I would like to ask Madame Barbe this question once again, if Madame Barbe is present right now. Madame Barbe, you did answer my question on April the 2nd that we do not have toxic waste. So with all this proof, I want to ask once again, Madame Barbe, to make the record right and to set things straight. Do we have toxic waste in Ville LaSalle, Mayor Barbe? Thank you for the question, Conseiller Barbe. Merci, Monsieur le Président. Alors, premièrement, dire « toxic waste » est faux. Nous sommes en 2013 et c'est encore une fois de la désinformation de la part du citoyen Pouliézé. Alors, ce sont des terres contaminées. Et deuxièmement, le citoyen a fait une demande d'accès à l'information. Alors, une réponse suivra. Merci. Merci beaucoup. Question complémentaire. Oui, mon question complémentaire, ce sera pour le maire Applebaum. Mayor Applebaum, with this kind of behavior, seeing that I did ask this question to the mayor, we have many witnesses that were at the LaSalle Borough Council meeting. Unfortunately, we don't have recording, or else this would be pretty much a settled case. But it says it in the newspaper. I talked about toxic waste. We have a toxic waste dump at Chintech Environment Incorporated in LaSalle, and probably many other ones that I don't know about. So I ask myself how the mayor of LaSalle could sit here right now and tell me this once again, in the Montreal Council when I was told the same thing in LaSalle, and I have proof that is contrary, including, of course, an access to information document, which I had forgot to table, which I will table with you right now. This was an access to information document that democratic.ca sent to Chintech Environment Incorporated, actually, sorry, to City Hall LaSalle, asking about the information. So please, Mayor Applebaum, if you may answer this question once and for all, what is done when a mayor gives you this kind of answer and the proof is otherwise? Thank you. Thank you, Mr. Chatillon, President Chatillon. Monsieur le Maire. Thank you for being here and thank you for your question. I can tell you that the elected officials are autonomous to answer your questions in any way that they feel right. And Madame Barbe, who is the mayor of LaSalle, answered your question for myself. You know clearly where the site is. You know clearly that it is a site that is protected with fencing, and the City of Montreal, of course, Environment Canada and Quebec would always look at the site to ensure the quality, that it doesn't endanger the people of LaSalle and, of course, the Canal de Chine. So you know exactly where the site is. You've heard Madame Barbe's answer. Now you'll decide on how you interpret the answer that she has given, but I have no control on your question. I also have no control on the answer that is given by the elected officials here. Thank you. Merci. Thank you, members of the council. Have a very nice day. Call me. Thank you.
déchets toxiques à la salle avec Mérès Bab. Bonsoir, M. Pouliézé. Bonjour, M. le Président, membre du Conseil citoyenneté de Montréal. Est-ce que je peux me permettre de me présenter en anglais, M. Chatillon? J'ai des articles qui sont écrits en anglais. Go ahead, yes. Thank you very much. President Chatillon, at the last meeting, and members of the public, at the last meeting, I was here speaking about alleged toxic waste in LaSalle. I was informed by the mayor, Mayor Manon Barbe, that I misinformed the public. And of course, the definition of misinformation is to false or inaccurately give information in order to deceive. Now, I sent an access to information letter on the part of democratic.ca on April 15th with regards to the Chintec Environment Incorporated landfill site. I've still not received a formal reply to exactly what is happening there, and I'm still waiting for a reply from the city of LaSalle. So with all this said, and me being, of course, accused of misinforming the public, at the last meeting I did deposit four articles that were written in the LaSalle Messenger. Now, I'm going by what the media tells me. Now, I have these four articles in front of me, which was article number one. It's called Underground Storage Could Get Underway in July. This was on the 14th of June, 1987. In this article, Mayor Leduc emphasizes a lot of things can happen in 25 years through research. We may even find a way to completely neutralize this toxic waste. This is in this article I would like to table once again. 9th of August, 1987, toxic waste disposal, intricate, costly operation. This is the 9th of August, 1987 in the LaSalle Messenger once again. It says the first major phase involves burying the toxic waste removed last year from the former dump site in the area of Sylvester and Bouvier Street. This is on this article. I will table this. Number three will be the 2nd of August, 1987. Work has begun on burying of LaSalle's toxic waste. Toxic waste now covered by plastic sheeting at the limits of LaSalle and Villemarge is marking headlines once again. And finally, President Chatillon, number four, would be disposal will not be completed in 1987. Mayor Leduc added that part of the container will be underground and remained above ground, forming a small hill. The site will be fenced in and containers guaranteed for a period of 25 years. Now, on the last newspaper article, Madame Barbe, sorry, in the last salle de conseil, Madame Barbe told me that we have, in French I'll say it, concernant la cellule contenant les sols contaminés, la mairesse a mentionné qu'une étude canadienne spécifique que la membrane, qui elle est simple à une longueur de vie de 150 ans, lorsqu'elle est doublée, sa durée de vie est de 200 ans. So the question. Chez nous, la membrane, ok, mon question, excusez-moi, Monsieur Chatillon. Madame Barbe, vu que vous m'accusez de la désinformation, vous avez fait ça devant tout le monde ici, dans le public, vous avez fait ça dans deux salles de conseil différentes. Est-ce que vous pourrez me donner, Madame Barbe, en écrit, s'il vous plaît, parce que je vous avais demandé avec un accès d'information, est-ce que vous pourrez écrire qu'il n'y a aucun déchet toxique à la salle, puis si vous pourrez adresser ça à democratic.ca? Merci, Madame Barbe. Et je vais devoir couper dans votre temps dans la question complémentaire parce que vous avez pris 3 minutes. Allez-y. Merci, M. le Président. Alors, ce que je vais suggérer à M. Pouliézé, c'est encore mieux comme réponse, parce que même si moi je lui réponds, probablement que ça ne sera pas tenu compte comme étant juste. Alors, je propose plutôt à M. Pouliézé d'écrire directement au ministère de l'Environnement et de questionner le ministère qui est le seul actuellement qui contrôle ce site avec les certificats de conformité. Donc, de poser directement sa question au ministère de l'Environnement, à savoir qu'est-ce que contient la cellule sur le boulevard en Grignon. Alors là, il y aura le cœur net, il va avoir la réponse claire, nette et précise. Qu'est-ce que contient ces terres? On parle de terres contaminées ou de terres toxiques. Il y aura la réponse directement de celui qui est responsable de la gestion de ce site. Merci. 30 secondes. Est-ce que je peux avoir, parce qu'il ne m'a pas répondu à la question, est-ce que je peux avoir ça en écrit par l'Hôtel de Ville? Ça fait 2 mois, Mme Barbe, que je vous demande. Ça fait des salles de conseil que j'ai allé. Vous ne m'avez jamais donné cette réponse. Ça fait 2 mois que j'attends M. Dupuis, M. Marc Morin, etc., etc. Mme Barbe, est-ce que c'est possible, vu que vous m'avez accusé de désinformation avant tout le monde ici, est-ce que c'est possible, Mme Barbe, d'écrire ça en papier, adressé à mon nom puis à democratic.ca, disant que il n'y a aucun rebut toxique à la salle, comme vous précisez, Madame la mairesse Barbe. Merci beaucoup, Monsieur Chatillon. Madame Barbe. Monsieur le Président, ça va me faire plaisir d'écrire à Monsieur Pouliézé, mais s'il veut avoir encore une confirmation peut-être directement du gestionnaire du site, en fait du contrôleur, qui
est toujours en rapport avec le gestionnaire du site. C'est le contrôleur, en fait, qui émet les certificats de conformité. C'est le ministère de l'Environnement. Mais ça va me faire plaisir de lui écrire. Mais je ne suis pas convaincue que M. Pouliézé va accepter la réponse comme étant la vérité. Merci. Merci. Merci, M. Chatillon, membre du conseil. Questionner M. Blanchard sur les déchets toxiques à la salle. Donc, bon matin, M. Pouliézé. Bon matin, Président Chatillon, membre du Conseil de citoyenneté de la salle, excusez-moi, de Montréal. Est-ce que je peux me permettre de me présenter en anglais, M. Chatillon? J'ai beaucoup d'articles ici en anglais. Allez-y et rapidement, comme je vous ai expliqué, parce que vous avez un temps limité. Merci beaucoup, M. Chatillon, membre du Conseil citoyenneté de Montréal. Au propos de les déchets toxiques à La Salle, of course, with regards to the toxic waste issue in La Salle, it's no secret that Madame la mairesse Barbe has repeatedly denied the presence of toxic waste being buried in Ville La Salle. Today, I would like to come here to set the facts straight. President Chatillon, once again, as you have seen many times, I've made many deposits with regards to this subject, and I have about 100+ documents, including newspaper articles, government reports and everything. And of course, we don't have the time to do all these deposits. So I'm just going to give 3 very important deposits this morning. I would like to start with the rapport du projet de surveillance de la santé concernant les contaminants chimiques pour les travailleurs impliqués dans les opérations du nettoyage du site de l'ancien dépotoir de déchets toxiques à La Salle. Ça, c'était un rapport qui a été écrit par la docteur Monique Isler de la DSA Verdun en octobre 1987. Cet rapport, il parle de les déchets toxiques industriels à Ville La Salle. D'accord, on va prendre ça en charge. C'est madame ici qui va... Excusez-moi. Merci. Deuxième document. Deuxième document, c'est un article du 16 juillet 1985. L'article s'appelle « Toxic Waste, Paris, a Preventative Operation ». Dans cet article, ça dit spécifiquement « All information to be released concerning the toxic waste » issue will carry the identification PARES. Ça, c'était publié par la Ville La Salle dans le messager La Salle. OK, deuxième document. Donc, troisième. Mon troisième dépôt, ce sera une lettre, actuellement un message qui a été fait par le maire Leduc. Cet message, c'était écrit dans le messager La Salle le 16 juillet 1985. Dans cet message du maire Leduc, il parle aussi de les déchets toxiques industriels présents à Ville La Salle. Oui. Puis finalement, Président Chatillon, j'ai une lettre du ancien ministre de l'Environnement, M. Clifford Lincoln. Ça, c'était la lettre concernant la conférence de presse du jeudi 1er mai 1986 à La Salle. Ça, c'était une conférence que M. Lincoln a faite avec le maire Leduc pour expliquer à les citoyens de La Salle la situation avec les déchets toxiques industriels à La Salle. Dans ce rapport, il explique une autre fois les déchets toxiques industriels à La Salle. D'accord. Donc, on va arriver à la question maintenant. Allez-y. Je veux demander la question. Vu que j'ai déposé toutes ces informations, puis vu que Mme Barbe continuellement accusait moi de désinformation envers le public, je veux demander le maire Blanchard une très, très bonne question. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Maire Blanchard, with respect to the heated debate surrounding the toxic waste buried in La Salle since the 1980s, and with all these deposits made here today, including Madame Barbe's repeated accusations, do you believe that I am equally misinforming the public? And if so, is it safe to assume that Mr. Clifford Lincoln, the ex-environment minister, Dr. Michel Leduc, sorry, the late Dr. Michel Leduc, also the ex-mayor of La Salle, Dr. Monique Isler of the DSC Verdun, and the La Salle Messenger have been equally misinforming the public for the past 25 years with Merci. Regards to the facts? Merci. Thank you, President Chatillon. Thank you.
La présidente du comité exécutif, Mme Duplessis. Bonjour, monsieur. Merci pour ces informations. Quoique elles datent de 1985, alors moi, j'aimerais relancer Mme Barbe pour qu'elle nous informe des démarches qui ont été conduites depuis ces années, parce que ça serait étonnant que ça soit resté comme ça depuis tout ce temps-là. Merci. Merci. Donc, on va faire ça. On va utiliser votre question complémentaire parce qu'on ne peut pas avoir deux élus sur une même question. Okay. Donc, est-ce que vous acceptez d'utiliser votre question complémentaire pour que, comme convenu avec Mme la Présidente, que Mme Barbe répond à votre question? Je préférerais demander une autre question à M. Bergeron, si c'est possible. Oui, donc vous ne voulez pas entendre Mme Barbe? Posez votre question à M. Bergeron. J'aimerais demander à M. Bergeron. M. Bergeron, comme j'ai demandé à la maire Blanchard, est-ce que vous croyez aussi, M. Bergeron, que je suis en train de désinformer le public avec toutes ces preuves, ainsi que les lettres du ministère de l'Environnement, l'ex-maire de La Salle, les médias, puis toutes les sources crédibles, on pourrait dire, au propos de cette sujet des déchets de La Salle? D'accord. Merci. Chef de l'opposition, M. Bergeron. Merci, M. Pugliese, pour vos informations. Je Merci. Ne crois pas, effectivement, que vous soyez en train de nous désinformer. Merci. Mais vous nous informez de choses qui, pour reprendre les mots de Mme Duplessis, datent d'un bon 30 ans, puisque les articles auxquels vous référez sont de 1985-86, et ils nous renvoient à une époque où nous avions des pratiques environnementales qui seraient tout à fait inadmissibles aujourd'hui. J'ai peine à croire que la situation qui est décrite dans les articles que vous produisez, puis l'avis du ministre de l'Environnement de l'époque, M. Clifford Lincoln, que tout ça est resté en l'état. Alors, je me vois tout aussi désemparé devant votre question que la présidente du comité exécutif l'a été. Et si vous aviez la chance, ou si le président permettait à Mme Barbe de nous amener des compléments d'information à la présidente du comité exécutif et à moi-même, et par le fait même à vous-même, je pense que ça vaut une exception. Il n'y a que deux personnes. OK. Mais dans ce cas-là, on va mettre fin à la période de questions. Mais Mme Barbe, avant l'ouverture de la période de questions des élus, peut se lever et faire un point d'information. Mais je vous remercie pour la question. Donc, je vais vous demander de quitter la salle. Vous pouvez assister à la réponse à l'extérieur. Monsieur Pugliese confond la décontamination d'une ancienne dompe et notre site de terre contaminée, parce que nous avons eu à décontaminer effectivement un site qui était anciennement une dompe, qui servait d'une dompe au tout début de l'existence de la ville de La Salle. Et dans cette dompe-là, évidemment, qui était un dépotoir, qui servait de dépotoir à la ville de La Salle, s'est retrouvé tout ce qu'on peut retrouver dans une dompe. Alors, il y avait des produits qui étaient laissés là par des entreprises, il y avait des déchets domestiques, et ces produits-là se sont transformés avec le temps. Maintenant, la cellule que M. Pugliese fait référence, et ces produits toxiques, ces produits en fait qui ont été dans la dompe, ils ont été déménagés, mais ne se sont pas retrouvés dans la cellule. Ne se sont pas tous retrouvés dans la cellule. Parce que le gouvernement catégorise la qualité des terres. Donc, il y a des produits A, des produits B, C et D. Et la cellule Syntec, qui est au coin de Angrignon, il y a une catégorie de produits qui a été acceptée, qui a été pour former la cellule Syntec. Et cette
Et que, ce que j'ai répondu à M. Pouliézé, comme ce n'est pas l'arrondissement La Salle qui gère la cellule Syntec, j'ai dit, moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir écrire à M. Pouliézé que cette cellule-là ne contient pas des terres toxiques, mais bien des terres contaminées. Alors, j'ai demandé par écrit à la Ville de Montréal, à la direction, parce que maintenant, c'est de juridiction centralisée. Alors, j'ai demandé à la direction de l'environnement de la Ville de Montréal de pouvoir écrire, parce qu'il veut avoir une réponse écrite, et au ministère de l'Environnement de pouvoir écrire que ces terres-là sont des terres contaminées et non pas des terres toxiques. D'accord. Parce que ce ne sont pas des terres toxiques qui sont acceptées dans le site de terres contaminées, la cellule Syntec qui est localisée au coin de Angrignon et Saint-Patrick et Newman. Merci. Une autre fois, Président Chitilien, je suis ici pour parler de les déchets toxiques, mais j'ai des nouvelles révélations pour tout le monde. J'ai déjà fait mes dépôts pour ne pas gaspiller aucun temps dans le conseil. J'ai fait un dépôt de toutes ou au moins la moitié de les recherches que j'ai faites sur ce sujet avec Mme Harrell, M. Bergeron, ainsi que le comité exécutif. Je veux expliquer, M. Chitilien, le mot « déchets spéciaux ». On appelle déchets spéciaux les déchets toxiques ou dangereux pour la santé et les activités de laboratoire. Je vais vous donner juste une petite synthèse. La raison que je parle de déchets spéciaux, M. Chitilien, puis membre du conseil, tout le monde, parce qu'on a des certificats d'autorisation du gouvernement de Québec qui étaient écrits à la Ville de La Salle dans les années 84 qui disent établissement et exploitation d'un lieu servant au dépôt définitif des déchets spéciaux et des bouées non dangereux. Maintenant, avec le mot déchets spéciaux, toujours, aussi avec déchets industriels, parce que je sais que peut-être la mairesse de La Salle il joue avec les mots déchets spéciaux, déchets. Je veux toujours me mettre au point avec le numéro de dossier 1605 de Ville La Salle. Ça, c'était la propriété 89205 Canada Limited. C'est daté du juin 1987. Vous avez toute une copie de ça. Si vous regardez ça, c'est l'évaluation du terrain qui a été exproprié pour enterrer les déchets toxiques industriels qui ont trouvé sur la boulevard, excusez-moi, la rue Bouvier-Lassalle. Si vous regardez, c'est intéressant sur ce papier, parce que j'ai regardé le papier, puis ça dit « nature du sol, contaminé par des déchets industriels ». Ça dit ça exactement ici, vous avez toute une copie de ça. Maintenant, je veux demander mon question à Mme Bach. Mme la mairesse, vu qu'on parle de déchets toxiques, déchets, toutes sortes de différents déchets, est-ce qu'on pourrait, at least we could agree, sorry, je ne le dis pas en français comme il faut, can we at least agree that déchets spéciaux, c'est catégorisé comme déchets toxiques? C'est mon question. D'accord, donc, conseiller Bob. Monsieur le Président, à ce stade-ci, je refuse de répondre à M. Pouliézé pour la simple et bonne raison que M. Pouliézé a déjà posé toutes ses questions et je pense que M. Pouliézé a un exercice de patience à développer. Je lui ai dit que le site était géré par la Ville de Montréal et par le ministère de l'Environnement et sa question, originalement, c'est est-ce que vous pouvez m'écrire, me donner la réponse par écrit comme quoi que ce n'est pas des terres toxiques qui sont dans le site? Alors moi, je l'ai quand même que moi, j'écrirais Manon Barbe, je confesse que ce n'est pas de la terre toxique, ça n'a pas de valeur parce que ce n'est pas moi qui gère le site. Alors j'ai dit à M. Pouliézé en conseil d'arrondissement, je vais vous avoir les écrits par les personnes qui sont autorisées à pouvoir dévoiler ces informations. Donc, M. Pouliézé devra attendre la réponse des personnes qui sont en autorité sur ce site. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup, Mme Barbe. Question complémentaire?
Mon sous-question, ça va être encore à Mme Barbe une autre fois. Mme Barbe, j'ai lu un article dans le Messager LaSalle le 10 novembre 2001 qui dit, site d'enfouissement de Chinpec, LaSalle renonce à son droit de veto. Maintenant, ça, c'était publié dans le Messager LaSalle en 2001. Puis vous, vous avez voté, si je ne me trompe pas, je ne veux pas désinformer le public. Hein. J'ai le vote ici que vous avez envoyé avec l'accès de l'information. Puis si je ne me trompe pas, vous avez voté contre retenir le veto. Est-ce que vous pourrez confirmer, madame, que vous n'avez aucun veto? Puis si vous n'avez aucun veto, madame, comment est-ce que vous pourrez répondre à une question sur un site d'enfouissement que ça fait plus que 12 ans que vous n'avez aucun droit de veto dessus? Parce que vous avez déclaré, madame Barre, devant tout le monde ici, plusieurs de fois dans plusieurs arrondissements, qu'il n'y a aucun déchet toxique à LaSalle. Mais moi, je pense que vous n'avez pas fait vos recherches comme il faut. Parce que si vous regardez, d'accord, j'ai un grand document de recherche. D'accord, merci. Merci beaucoup, Président Chatelier. Thank you. Conseil Barre. Je donnerai une réponse globale à monsieur Pouliézé lorsque j'aurai la réponse à lui donner en temps et lieu. Ça ne donne rien de donner une réponse à M. Pouliézé à la pièce, il sera jamais satisfait. Excusez-moi. Je veux juste pointer que Mme Barbe a parlé de ce sujet, mais... Mais vous... Merci. 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 On est en soirée, donc bonne soirée. Merci. On va continuer avec... Bonjour, M. Chatelian, membre du comté, conseil citoyenneté de Montréal. Je voudrais aussi aujourd'hui me présenter pour mettre fin, on pourrait dire, à des questions sur les déchets toxiques, autant qu'on a une réponse. Comme vous avez dit hier, j'ai demandé Mme Barbe avec toutes les informations, puis j'ai la confiance avec les oppositions officielles, Mme Harrell puis M. Bergeron, qui vont regarder les documents comme il faut, puis venir à une réponse. Maintenant, je voudrais juste aussi confirmer qu'on a un documentaire qui va sortir avec democratique.ca. On appelle ça LaSalle Politics, The Truth About Toxic Waste, Volume 1. Ça va être sorti le 2 de septembre 2013. Puis j'invite à tous mes élus, ainsi que tout le public, de regarder cette belle documentaire. Maintenant, je voudrais vraiment demander une question, si c'est possible, à Mme Harrell. Oui, allez-y. Merci. Bonjour, Mme Harrell. Merci pour votre temps. Je voudrais vous demander, Mme Harrell, avec toute cette question de déchets toxiques à LaSalle, puis ces accusations de désinformation ou quoi que ce soit, Mme Harrell, est-ce que vous pensez que Democratique.ca, ainsi que moi-même, je désinforme le public avec toutes ces informations que je vous avais données dans le paquet hier? Merci beaucoup, Mme Harrell. Merci. Mme Harrell. Alors, merci de votre question. Merci. J'ai pris rapidement connaissance hier, on a siégé jusqu'à 11 heures. Oui. C'est très substantiel, c'est très consistant. Merci. J'ai compris que ça date depuis 1988, en oui. fait. Et il y a une adjointe au cabinet, Mme Sarah Gagnon-Turcotte, à qui, en fait, j'ai remis le dossier. C'est bon. Et je comprends que... Il y a vraiment eu des interventions importantes. Alors, soyez assurés que je prends ça très au sérieux. Et je pense qu'il va falloir donner suite là, à vos représentations. Merci beaucoup, Mme Harrell. Ma question complémentaire, ce sera une autre fois pour Mme Harrell, Monsieur Chatelian. Oui, allez-y. Mme Harrell, avec tout ce qui s'était dit à l'hôtel de Ville-LaSalle, excusez-moi, avec Mme Barbe au propos de tout ça, puis on a cette discussion. Excusez-moi en avance pour mon français, j'ai peur des mots des fois. Mme Barbie a exigé dans le mois d'avril qu'il n'y a aucun déchet toxique, mais Mme Barbie a rétorqué en disant le mois passé qu'il n'y a pas fait une demande au ministère. Donc, je me demande, Mme Harrell,
si c'est propice que notre mairesse Lassalle y donne un commentaire sur un sujet qu'elle n'est pas vraiment informée sur, puis pourquoi est-ce qu'elle y va nous donner de l'information sur un sujet quand la ville de Lassalle y ont relâché leur droit de veto dans l'an 2001 sur le site de Chintec. D'accord. Merci beaucoup, Madame Haddell. Madame Arel. First of all, don't bother you for your bad Merci. French. I would like to speak English as you speak French. Thank you. French. Alors, écoutez, je pense que ça me serait vraiment difficile de commenter la question parce que je n'ai pas une connaissance fine du dossier. Là. Je l'ai eu hier soir et puis j'ai regardé assez rapidement. Je comprends. Il fait 150 pages. Moi, je veux juste vous féliciter parce que je pense qu'il faut être un citoyen très impliqué pour, je me disais, simplement faire les photocopies, c'est substantiel. Je pense que vous l'avez remis à M. Bergeron aussi. Oui. Alors, et ça mérite finalement qu'on regarde ça très attentivement. C'est ce que je vais faire. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Haddell. Merci à le conseil. Merci. Monsieur Killian. Bonne journée à tout le monde. J'appelle maintenant le citoyen Joseph Pugliese. Monsieur Pugliese, votre question? Bonjour, Madame la Présidente, membre du Conseil citoyenneté de Montréal. Est-ce que je peux me permettre de me parler en anglais, Madame la Présidente? Allez-y. Merci beaucoup. Of course, with regards to everything, I would like to make a declaration today to la mairesse Mauve. There's been a lot of rumors right now in Ville LaSalle that I am running for elections, and I wanted to confirm in front of everybody that I am not a candidate. I have no intention to be a candidate in this election. And the reason simply that I am here speaking about toxic waste for the past 6 months is because I am a very concerned citizen for my city. Mr. Pugliese, this is question period, so yes. If you would kindly finish your statement. I want to bring my question upon right now. Now, with regards to the toxic waste, Madame Fotopoulos, and with everything said, I have made many deposits with regards to this case, and I haven't gotten any answers from my elected officials. And I wanted to make one last deposit again to avoid any confusion about this story. And because it's been very confusing, this story. I've been obviously researching it for 6 months, and the only thing I want to deposit is Règlement numéro 2044, which was done in Ville LaSalle. This is the rule that allowed the expropriation of lot 1013 in 1987 in order to bury the toxic waste that was found on Bouvier Street in Ville LaSalle. And your question? My question is if we can please clarify, and of course to confirm that this land still belongs to LaSalle. This is lot 1013. You can see the cadastre over here. And according to this lot was expropriated in 1987, and I haven't had any clarity to exactly who owns this lot. And if the toxic waste cell is still buried there since 1988. Thank you, Mrs. Thank you, Madame Fotopoulos. Mr. The mayor's barb isn't here. Mr. Farinacci. Thank you, Mr. Farinacci. Yes, I got a call from Mrs. Barb this morning at 8 o'clock. Elle sera pas avec nous aujourd'hui. Elle a eu un empêchement qui va l'arrêter pour la journée. Alors, good morning, Mr. Pugliese. J'aimerais savoir, Madame la Présidente, est-ce que la lettre que Madame Barbe a déposée hier du ministre de l'Environnement, es-tu disponible pour remettre à M. Pugliese d'abord? Deuxième question, deuxième réponse, c'est sur votre question principale, c'est on va vérifier, okay? On va prendre bonne note de votre question. Sûrement, dans les archives, il y a un propriétaire de cette forêt-là. Moi, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas la grandeur.
le coin de Bouvier, tu dis. Hein? Ça pourrait être un morceau, ça pourrait être une pièce de parcelle de terrain. Ça pourrait appartenir à CN, parce que si tu proches de la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée. Au propos d'ici, je pense que c'est... Excusez-moi. Oui, excusez-moi, madame la présidente. Avez-vous terminé votre réponse? Je l'ai terminé. Merci. On va... we'll look into it. Thank you, Mr. Farinacci. Do you have a supplementary question? I actually just have a supplementary comment. I would like to thank all my elected officials for all their service in the past 4 years. I'm very happy to see everybody here, and I wish everybody nothing but the best of luck for the elections, with all hopes of great change, open transparency, and the best possible quality for my elected officials for the upcoming elections and for the next 4 years. Voisard, également de la salle, qui veut traiter de dépotoir de terre toxique à Mme Barbe. Alors, bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Petit préambule et votre question, s'il vous plaît. À la salle, nous avons l'unique 8e merveille du monde. Nous avons le plus grand dépotoir de terre chimique contaminé, accumulé, et qui continue de s'agrandir. Vous connaissez ça, monsieur le maire, il y en a de la terre toxique, n'est-ce pas, à la Chine, hein? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Allez-y. Mais nous autres, on l'accumule. Peut-être la vôtre va venir à la salle. Les poussières, les gaz toxiques ruissellent, et les poussières s'en vont aux 80. Et ça coule, ça se promène sur les terrains adjacents. Ce lieu était supposé d'être un centre de décontamination. C'est devenu un dépotoir chimique depuis 1988. Il n'y a pas une cuillère de terre ou une once d'eau qui a été décontaminée. Alors, préparez votre question, monsieur Voisin. Je vais finir, ça. Un paragraphe. Nous avons déjà payé 21 millions pour décontaminer ce site. Rien n'a été fait, c'est pire qu'avant. Votre question, s'il vous plaît. Voilà. L'arrondissement La Salle a un projet résidentiel de 5500 unités de logement près de ce site contaminé. Il y a aussi deux dépotoirs de neige usés. Ma question s'adresse à Mme Manon Barbe. Je vous demande, Madame, si vous allez réclamer bientôt la fermeture de ce site qui pollue l'environnement depuis 22 ans. Et alors, allez-vous demander une commission ou une audience du BAP? Je sais que M. le maire est très intéressé sur les... sur la pollution. Alors, et votre les question pesticides. Est posée, M. Voisard. Alors, ma question est à deux volets. Oui, mais gardez-vous pour un additionnel après. Mme Barbe, en réponse. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Voisard. Est-ce que M. Voisard m'écoute? Merci. Ah oui, alors, j'écoute. M. Voisard, question de mettre la situation en contexte pour mes collègues qui ne connaissent peut-être pas notre site de terre contaminé. Ce n'est pas un site de terre toxique, mais c'est un site de terre contaminée. Effectivement, en les années 86, 87, 88, La Salle a pris ses responsabilités et on a fait décontaminer un grand terrain, un bout de rue, en fait, où les maisons étaient construites et que la terre était contaminée. Et on a dû démolir les maisons,
décontaminer le sol et apporter ces sols décontaminés-là dans un endroit qu'on a gardé chez nous à La Salle pour faire une cellule. Tout ça, évidemment, en conformité avec le ministère de l'Environnement. Et puis, donc, ce site-là, c'est une cellule fermée qui est là depuis 88. Et sur le site adjacent, donc, c'est un grand quadrilatère, l'exploitant continue de recevoir des terres contaminées de la ville de Montréal. Et puis, d'ailleurs, il y a une nouvelle technologie, M. Voisard, donc, pour un nombre de tonnes apportées par année, la moitié est retournée parce qu'il a développé, ça évolue très rapidement, les technologies dans ce secteur-là. Et maintenant, on passe la terre dans une passoire et donc on peut séparer la bonne terre de la terre contaminée, surtout avec des métaux lourds et tout ça. Donc, on garde la terre contaminée dans la cellule, qui est à veille d'ailleurs, qui va finalement se finir par être pleine, donc dans à peu près 7-8 ans, et la bonne terre est retournée. Donc, ce qui permet de pouvoir avoir, de recevoir une quantité de terre plus grande. Donc, Monsieur Voisard, tout est fait en conformité avec le ministère de l'Environnement. Et non, ça ne pollue pas l'environnement autour de ce site. Tout est fait en conformité. Et les dépôts de neige usée, bien écoutez, il faut l'enlever, la neige de nos rues, nos trottoirs. Et heureusement, autant le site de neige usée que le site de terre contaminée, ça ne vient pas défaire le paysage de La Salle à l'endroit où ils sont situés. Merci beaucoup. Merci, Mme Blanc. Alors, M. Voisard, je sais que vous avez une question complémentaire et nous sommes prêts à vous écouter pour votre deuxième question. Allez-y. Bon, je peux dire que je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de madame. Posez votre question de toute façon. Je vais déposer deux documents à cet effet partiaux. OK. Donnez ça au monsieur là, qui s'en va vers vous. Une pour, si vous avez une question, une posez-la. Pour le comité exécutif, une pour l'opposition officielle. Oui, vous. Alors, allez-y, M. Voisard, pour votre deuxième question, directement, sans préambule. Nous avons à La Salle la compagnie Monsanto qui a disparu secrètement. Elle a détruit son usine. Je soupçonne que ce terrain-là doit être contaminé. Nous avons aussi la Danfer. Votre question, M. Voisard. C'est pas deuxième facile, terre, là, mais... Allez-y, posez une question. Si vous ne me laissez pas poser ma question, si vous ne laissez pas m'expliquer, madame ne pourra pas répondre. Mais laissez-moi finir, très, s'il vous plaît. Très, très brièvement. S'il vous plaît, monsieur le président, laissez-moi finir. Vous n'êtes pas tout seul. Il y en a cinq après je vous. Je le sais. Je le sais. Allez-y, rapidement. Je le sais. Laissez-moi le temps. C'est bref. Pourquoi vous m'interrompez? Rapidement, sinon je passe à une autre question. Vous êtes supposé d'être à l'écoute des citoyens, M. le Président. C'est ce que nous faisons. Rapidement. Je continue. Il y a le terrain de la Danfer. Qui va payer pour décontaminer ces deux terrains? Est-ce que ça va être encore des contribuables? Ça, c'est une bonne question. Votre question est posée. Est-ce que c'est La Salle qui va payer pour ça? Madame Barre, en réponse. Monsieur le Président, La Salle ne paie pas pour décontaminer des terrains privés. C'est l'acquéreur du terrain qui se charge de décontaminer son terrain. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Monsieur Voisard, d'être venu nous voir ce matin. J'ai seulement une chose à dire. On continue avec Monsieur Michel Benoît. Merci d'être venu. Les documents, on vous a entendu, on vous a écouté, monsieur. Monsieur Michel Benoît.
continuer avec Stuart Milo, qui veut discuter d'une résolution de moratoire sur le transport des déchets et liquides. Question adressée à M. Blanchard. Bonsoir. Take a new order. Des salutations à tous les gens qui habitent Montréal. Mon nom est Gatsi Tansariyo et je suis du clan Tulu. Nous sommes ici dans l'esprit de la grande loi de la paix du traité du Grand Montréal. Nous donnons nos remerciements à la femme du ciel, à notre grand-mère lune et à la terre-mère et à toutes les femmes. This evening, we are here to speak to you about the issue that you are currently dealing with about the transportation of hazardous nuclear waste. Since we have a relationship going back 300 years between Ganawagi and the city of Montreal, we ask you in this spirit to consider that when you are making your position, that you call upon that treaty and to identify that you stand together with your sisters and brothers that you have entered into this treaty with, and to identify that you stand with and support the people of Ganawagi in their the same position against the transportation and the shipment of hazardous nuclear waste, and that the people of Ganawagi, through the Mohawk Traditional Council, will do the same, to stand with our sisters and brothers within Montreal, to state together that together we bind a union to keep out any hazardous waste, to keep out any nuclear hazardous waste that may travel anywhere through our territories. But we would also point out that when we are dealing with an issue such as the transportation of hazardous nuclear waste, to understand that we are dealing with a byproduct. It is a byproduct of a larger issue. Okay, so the first question I think was clear. We're going to give a chance to the mayor to answer the first question. Okay. Okay, please. It's the president of the executive committee, Mrs. Duplessis. Madame Duplessis. Mr. Milo, it's an honor to have you here. And we are proud to deposit this declaration. I'm pretty sure that all my colleagues will vote in favor of it. We are many municipalities in Quebec that are gathering together to counter this transportation of hazardous waste, nuclear waste in liquid form. It's very dangerous for this waste to go over the rivers, because the rivers, the water, is the source of the life in all the cities. So we are really proud to have you here. Thank okay. you, merci. Donc. So a sub-question? Not so much a question, just to point out yes. a couple issues on this, is to identify that when you identify hazardous solid waste, then we are not mentioning other wastes. We are focusing just mainly like on a solid. So what we need to do is to identify that the any hazardous waste from the nuclear waste in whichever form that it comes in, but also that it was stated that over public roadways, over air, and the waterways. But it is not mentioned railroads. So if we could perhaps mention any transportation through our territories, which will then include basically everything. Thank you. Mr. Merleau, it is included in the declaration,
And for information, right after the period question of the citizen, where it's going to be the first item of the agenda, the declaration. So if you want to stay after the period of question, we're going to discuss this declaration right after. I'd like to say Nyawa Goa for hearing. Thank you very much. Merci beaucoup. To identify to you that as I am here, I am speaking on behalf of the Mohawk Nation in Ganawage, and just for your information, that we are a matrilineal society, so this is the word coming from the women of our people, and thank that you. The women looking after the safety and welfare basically demand that this kind of activity stop. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you.
Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est pour un point d'ordre. Si vous me permettez, j'aurais un document à déposer. Il s'agit d'une lettre que j'ai reçue de la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal. En fait, c'est du ministère de développement durable, de l'environnement, de la faune et des parcs. Et si vous me permettez, Madame la Présidente, c'est en réponse, évidemment, à des questions qui ont été souvent été demandées ici dans ce lieu de la part de citoyens concernant le site de terre contaminée à La Salle. Et si vous me permettez, Madame la Présidente, j'en ferai quelques lignes que je pourrais citer pour informer mes collègues, si vous me permettez. Donc, au cours des années 80, la lettre stipule ici, c'est des points d'information que le ministère donnait comme réponse. Donc, au cours des années 80, plusieurs travaux de caractérisation et de réhabilitation des terrains associés à l'ancienne usine La Salle Coke et à l'ancien dépotoir de La Salle ont été réalisés. Cet énorme chantier de réhabilitation avait débuté par une ordonnance, et là je continue. Lors des travaux effectués pour réhabiliter ces terrains, le ministère de développement durable, de l'environnement, de la faune et des parcs a autorisé tous les travaux d'excavation, le traitement des eaux contaminées et la construction des cellules en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est dans ce contexte que la cellule d'enfouissement La Salle a été aménagée. Cette cellule a été fermée en 1990. La même année, le ministère autorisait l'aménagement d'une nouvelle cellule d'enfouissement de sol contaminé à Syntec Environnement Inc., qu'on appelle CEI par la suite, sur un terrain adjacent à la cellule La Salle fermée. Donc, la cellule CEI inclut aujourd'hui la cellule La Salle et la cellule autorisée en 90. Et la cellule La Salle est toujours fermée et fait partie de la cellule CEI. De plus, des inspections sont effectuées par le Centre de contrôle environnemental du Québec à ce lieu et selon notre registre, c'est le gouvernement qui le dit, aucun manquement n'a été acheminé à Syntec Environnement Inc. au cours des 5 dernières années. Ce n'était qu'un... J'ai seulement pris quelques lignes de la lettre. Alors, je dépose la lettre ici au greffier et j'espère que le dossier clôt, évidemment, tout le débat qui a été suscité par les citoyens qui sont venus au micro poser les questions sur les terres, le dépôt de terres contaminées à La Salle. Merci, Madame la Présidente.